Bon, alors là-bas, on voit ma voiture, un bout de ma voiture. On arrive par le chemin, je le filmerai plus tard. Là, ici, c'est délimité par un petit rue, là. Je ne sais pas si tu le verras. Et puis là, on est pratiquement sur le ruisseau. Bon, je vous mets pas dans la caméra, hein. Oui. Tu vois, je sais pas si tu vois le cours d'eau. Bah écoute, il fait 2 mètres de large, hein, 1 mètre à 2 mètres de large, ça coule pas mal, apparemment. Je lui parle en même temps. Ouais, il y a un petit bon débit. Et là, on a des... Tiens, regarde si tu vois ça, je sais pas, ça c'est un truc d'écoulement, on dirait. Ouais, ça c'est un truc d'écoulement. On a du drainage. Ah ouais, tiens, regarde, il y a... dans la caméra. La fontaine, on ira voir là-bas. Il m'a dit, je veux voir où est la fontaine. Ouais. Donc voilà, ça c'est un drainage qui vient des peupliers. T'as vu, c'est pas mal, c'est pas mal boisé, hein. Ah oui. Il veut du bois, lui. Ah bah, il veut. Et là, il y a beaucoup de peupliers, quoi. Après, au bord, il y a des... T'as des sapins, t'as des chênes de l'autre côté. Là. Ouais. La plupart des arbres, c'est... Oh, regarde ce sapin, là. Ouais, ouais. Ça, donc tout ça c'est boisé, tu vois. Oui. Je lui parle, hein. Oui, moi je lui parle aussi. Il va se marrer quand il va voir ça. Oui. Voilà, là-bas il y a le ruisseau toujours. Encore un autre écoulement, là, on dirait. Ouais, alors à la limite c'est le pont, quoi. Ah, c'est ça le pont, voilà. Ouais, ouais. Il n'y a personne qui passe là. Donc là c'est la limite de propriété, on est sur la limite de propriété. Tu vois le rue là? Il y a une prairie là, mais ça appartient à son neveu. Ouais. Au monsieur. Et ça donc là, de l'autre côté, c'est plus chez nous. Non, ça s'arrête au pont, quoi. Voilà, ça c'est un pont. C'est le pont. Quand t'as la rivière ici, vous pouvez prendre en photo comme ça. Ouais. Voilà, j'insiste sur le cours d'eau pour te montrer qu'il y a bien de l'eau. Après ça se poursuit. Ah, mais Jean il a pas recoupé là-bas. Hein? Je dis Jean il a pas coupé là-bas, parce qu'on peut faire tout le tour. On va reprendre par l'autre côté après. Ouais. On passe par là? Ouais. Non, mais on va remonter après. Parce que lui il a un tracteur pour nettoyer. Mais... On va reprendre par où on est venu. Parce que là il a pas coupé, je vois. On va aller par le haut, on va voir. On repasse par... on fait demi-tour? Oui, voilà. Il m'a dit qu'il aurait tout coupé autour, là. Je crois qu'il a coupé là. Mais... Donc c'est plutôt mon ami qui va s'installer ici. Moi, je vais... Je vais prendre une maison sur Guémené. Oui, oui. Vous avez trouvé? Non, mais j'attends... J'attends de signer le... 40 000 euros, là. J'attends. Dans le bourg, là. Ah ouais, ouais. Bah ouais, si vous, en connaissez une. Bah oui. Parce que vous êtes agent immobilier. Ouais, indépendant. Ouais. Ah bah du coup je passerai par vous. Ouais. Oui, pas de souci. Parce que j'ai un bien immobilier à Bourg-en-Bresse. Ah oui. Ouais, mais qui vaut à peu près 100 000. J'ai Il vaut plus, mais je vais le brader à 100 000 pour aller vite. J'ai une collègue qui fait le secteur là-bas. Ah ouais, comment elle s'appelle? Bah, je sais pas, je regarde. Ah d'accord, ouais. Je sais que j'ai des collègues qui font le secteur. Ouais, ouais. Ah oh, bah ça c'est bien si vous pouvez vous mettre parce qu'on pourrait faire relation, voilà exactement, ça c'est super. Et ils sont tous contents de m'avoir parce que je me démerde pas mal et moi je suis content d'être là parce qu'ils m'aiment bien. Ouais. Oh, mais ici on est convivial. Non mais même ça me plaît. Oui. Enfin, ouais, voilà, c'est bien. Enfin, oui, je vois. Oui. C'est vraiment le boulot me plaît. Ouais, ouais, mais en plus vous avez raison. Mais c'est pas ça qui me ferait. Aïe. Ah, ouais. Non, je m'étais accroché.
Ouais. Non, donc du coup, je ça m'a étonné, mais je crois que je vais rester. Putain, il y a à bouffer déjà. Ah oui. Il y a de la scarole et tout. Ouais, ouais, ouais. Et puis ça en dit. Ah, puis là, il y a des fruitiers. Donc dès que je signe le CDI, ouais. ça va. Je pense qu'on va le prendre. Il va le voir. Il va le voir en photo. Comme j'ai du monde. Il va le voir en vidéo. Je vais monter la vidéo tout à l'heure. Je vais l'appeler. Ouais. Oui, et puis je vous fais le chèque de 1500 pour bloquer. Oui, c'est ça. Pour, pour 3 mois, ouais, ça me permettra d'avoir les 3 les 3. Ouais. Je suis bien payé là-bas. Là on a les fruitiers. Ouais. Ah ouais, tu vois, regarde. Oui. Alors le chemin c'est celui-là. Ouais. On arrive sur la petite route. Il y a des beaux arbres, hein. C'est quoi ça? C'est des pins. On dirait, hein. Non, c'est pas des pins, ça. C'est des épicéas, ça. Des épicéas carrément. Ouais. Et là, t'as des fruitiers, tu vois. Putain, c'est sympa, il les a poussés. Ah oui. Oh, il y a la route qui passe, mais il n'y a pas beaucoup de trajets. Non. C'est vrai que c'est une petite route départementale. Ouais. Alors là, il y a encore des fruitiers. Il y en a jusqu'à là-bas. Ouais, regarde, il y en a tout ça. C'est... Pardon, je couperai au montage. Je couperai au montage. Il y a des pêchers derrière. Là, il y a de la vigne. Il y a des pêchers là-bas. Ouais, il y a de la vigne. Et là, ouais, je l'avais pas vu, là, moi, tellement que je suis pas paysan, je l'avais pas vu sur les photos. Oui, même mon gamin, il m'a dit, papa, il y a de la vigne là-bas. Oui. Il y a de la vigne, ouais. Tu peux me rappeler. D'accord. Allez, à plus. C'est quoi? Moi, c'est pour les guêpes ou les abeilles, je pense. C'est pour attirer les guêpes. Salut, monsieur. Ouais. Bon, salut, on se serre pas la main. Je vis les voitures, on se serre pas la main. C'est ça. Ah, vous avez été faire. Je voyais les voitures, je dis merde. J'étais au téléphone. Je pensais qu'on aurait pu faire le tour, mais Jean, il a fait la moitié du travail. C'est bien là-bas, le bord du ruisseau, ça vous plaît, ça? Ouais. Formidable. Ouais. Ça vaut déjà la moitié de l'ensemble. Alors, il va pas marchander, hein. Ça marchande bien. Oh, mais j'étais marchand de vin. Oh, non, j'étais bistrotier. Ouais, il y a plein de pommes salées dedans. Mais il y a un dis donc, je suis en train de regarder celui qui a l'air de tourner l'œil. Ouais, je sais pas ce qu'il est. C'est toi, là. Attends, il y a des pommes dedans. Ouais, je sais pas. Malade, tiens. Oh merde. Il s'est mis un truc sur ma jambe, j'ai dit. Qu'est-ce que t'as perdu? Mais non, c'est sauterelles, regarde. Viens sur moi. Ah, mais des sauterelles, là, tu vois. C'est naturel ici. C'est parce que vous sentez bon. C'est écologique, c'est bon. Quand tu vois des grenouilles, des sauterelles, tout ça, c'est très bon. Ouais, je sais. Non, mais alors, ça, c'est plaisant. La fontaine, elle est là. On se sent tout de suite bien. On se sent tout de suite bien quand on est... Bon, ici, si tu l'achètes, tu l'achètes pas, j'en sais rien. Bah si. Le gars qui achètera, il sera heureux ici. Ouais. Mais je vais l'acheter, hein, t'inquiète. Ah, tu vas l'acheter. T'inquiète, hein. Mais tu me donnes pas beaucoup de sous. Ah là là, il commence, il commence. Regarde comment j'ai maigri, là, je suis arrivé comme un... Il est encore du terrain là, il est à 500 euros près. Ah certainement oui, moi je suis à 500 euros près, peut-être pas toi mais... Ah tu rigoles. Non mais moi je vais pas marchander, le prix est fixé, j'ai pas envie... Oui. Je suis pas du là-dessus non, c'est bon hein. Voilà la fontaine ici. Ça fera un étonné. Elle est ça vient, l'eau vient de là-bas, ça coule ici. Ouais. Ça doit couler quelque part ici, tiens, voilà la buse. Et puis ça rentre là-dedans. Il y a une buse. Mais tout ça, c'est à nettoyer, quoi. La fontaine est là. Et puis, la fontaine est là. Ouais, qui va à la route, à la rivière. T'as du cresson dedans, là. Oh, on n'a pas mis. On en a eu, mais. Moi, j'ai 85 ans, la merde. C'est un truc qui. Là, ça vient en dessous, là. Pour, Ah, ouais, oui, il y a une buse. Y a pour un drainer, quoi. C'est un. Ouais. C'est en béton. Enfin, oui. Non, c'est pas en béton, non, c'est en PVC. Un espèce de gros PVC. C'est un gros tuyau qui passe pour quand il y a de l'eau qui s'écoule. Qui s'écoule là-bas, hop, ça part ici. Puis et ça file, il y a une rigole qui va tout du long. Et là, il y a une source. Il y a une source, oui, il y a une source quelque part ici. Ça tombe là. C'est pour ça qu'il y a toujours de l'eau là. Ouais. Il faudrait nettoyer quoi. Mais l'étang. Attends, qu'est-ce que. L'eau de Pontivy. Non, ben non, monsieur, il vient de Bourg-en-Bresse. Ouais. Non, mais je suis sur Guémenet, moi, en ce moment. Ouais. Sur Guémenet, Guémenet, je connais. L'eau vient de Poudlard, ce qu'on appelle ça, passe ici pour aller à Pontivy. Ouais. Le circuit d'eau passe ici pour aller à Pontivy, sur le bord de la route. Oui, ça fait 50 ans, c'est vieux, ça. Oui, parce qu'on peut raccorder l'électricité.
au niveau du... Ah bah oui, mais le machin à côté. Le téléphone. Le téléphone, comment il s'appelle, le voisin d'à côté, quoi. Oui, ouais, ouais, bah il y a des habits. C'est bon, hein. Ah, ici, on n'a pas de numéro, Jean. Oh, j'ai pas de... C'est le 9, les voisins. Oh, j'ai pas demandé. Bon, on s'en fout du numéro. Ouais, ouais. Non, mais Philippe, il demandait. Comme ça, on sera pas sur la duverte. Ouais, ouais. Voilà. Non, mais c'est pour qu'il faut mettre une boîte aux lettres, il les prend un bis, je sais pas quoi. Oh là là. Nous, on n'est pas des, on est pas des sauvages, mais on s'en fout de tout ça. Les voisins, ils ont un numéro. Oui, le 9. Donc ici, tu peux avoir un. Mais après, j'ai pas été voir plus loin. Bon, ici, j'ai jamais demandé. Il y a un 11 après, quoi. Hein ? Il y a un 11 après. Ah non, ben 11, non, attention, après, c'est Malguenac. Ah oui, je sais, tu m'as dit. Ici, c'est Clayguérec, de l'autre côté, c'est Malguenac. Deux communes différentes. Après le pont, quoi. Ah bah si on a des ennuis avec un maire, on peut aller sur, on peut aller voir l'autre. Tu attaques l'autre. T'as vu? C'est une belle dame, l'autre, celle de Malguenac. Ah bon? Ah ouais. Ah ouais, la mairesse. La mairesse. Ah mais je connais son fils. Là. Ah tu connais son fils? Ah oui, on a vendu un terrain agricole pour eux. Elle, elle est à marier, la mairesse? Ouais. Vicieux. Attends, moi j'ai 60 ans, hein, j'ai pas l'air, hein, mais... Là, il y a des poires. Ouais, mais à 60 ans, on est encore bon, hein. Ouais, t'as vu? Oh, attention, ouais. Ouais. Là, il y a encore des pommiers. Quand j'avais 60 ans, moi, j'étais pas comme je suis aujourd'hui. Et donc, ça finit comme ça, j'ai l'impression. Là, c'est des pommiers, quoi. Là, ça, jusqu'au bout, on va aller jusqu'au bout. Ah oui. Ouais. Là-bas, c'est là-bas le... Qui... La limite, c'est ici. La limite, c'est ici, le poteau. Là. Ouais, la limite, c'est le poteau ici. Il y a une belle maison, là. Un peu d'ortie, mais... Oui, pour faire de la salade. Ouais. Une belle maison, elle est occupée. Oui, oui. Tu vois, ça, si c'était ouais. À vendre... Ouais. Ah oui. Ah, je vais me renseigner, mais c'est jamais. Ouais, on va savoir. Ouais. Oui, bah oui. Elle a été avant. Elle oui, elle a été, ouais. Mais non, je sais pas. Celle-là ou l'autre, hein, puisqu'elle est en bordure de terrain. Il est décédé. Ah bon ? Et alors, il est seul ? Eh ouais. Voilà, et là, on arrive au bout, j'ai l'impression. C'est ça. Alors, je vais vous dire un truc. Ouais. Ouais. Ça c'est le bout. Hein. Ouais, vous arrivez ouais. Au bout. Vous avez un passage là pour ouais, aller pour rejoindre la route. Ah ouais, ouais. Mais c'est à la commune. Mais c'est ouais, ouais, ouais. Un chemin communal qui n'est jamais exploité. Puisque à un moment donné, j'avais exploité, mais comme je ne pensais pas ici. Moi. Mais ici, c'est empiré ici. C'est empiré ici. Ah ouais. Jean, il a tout empiré. Ah bah si, on peut les choisir. Ah là, voilà, c'est ouais, ça. C'est ça, là. Ouais. Ouais, mais il faudrait couper l'arbre. Ouais. Ah ben, faut. Oh, c'est rien à faire. Enfin, c'est rien, il faut le faire. Quoi. Non, mais. Il n'y a jamais rien à faire, mais il faut le faire quand même. Ouais. Tu rejoins la route par là. Ouais. C'est un. Le chemin n'est pas à toi, c'est un droit de passage ouais. Communal. Ouais. Il faudrait aller. Bah, tu reviens sur le. Hein? Le chemin de la maison, quoi, non? Non, plus haut. Ah non, le chemin de la maison. Donc, bon, ça s'arrête là, évidemment. Ah, ouais, hein, ici, là. À la route. Voilà, à la limite, là. Mais les camions passent ici, ils passent ici. Ah, pour, quand j'en veux empirer ici, ah, oui. Ils passent là. Et puis en ligne droite, hein, là-bas. Ouais, en ligne droite, jusqu'au... là-bas. Ouais. Jusqu'au ruisseau. On va jusqu'en bas, tant qu'on y est. Et là, on a plein de peupliers. Comment ? Je dis oui, on a la plupart du terrain, c'est les peupliers. Ah, bah, c'est plus de peupliers. À part les pommiers qui sont ici en haut, là. Oui, bah il y a pas mal de. Oui, il y a pas mal de. Il y a des fruits ici. On va faire du cidre. On va pouvoir faire du cidre. On va faire un peu. Vous ne connaissez pas le cidre, monsieur, vous ne connaissez pas le cidre. Non, mais moi je suis un urbain, moi c'est pas. C'est mon collègue. C'est mon ami qui est. Ouais, c'est ça. C'est mon ami qui est. La limite, c'est le talus, quoi. Bah voilà, la limite, le talus. Il y a des rigoles. Il y a un rue là. Comme l'autre côté. La rigole, c'est. En fait, on est bordé en largeur d'un rue, de l'autre côté aussi, et puis la rivière en longueur. Vous pouvez pas vous tromper. C'est hein. Cool, non. Hein. Ah, c'est cool. Ouais. Hein. Ah ouais. Il y a pas mal d'eau, quoi. Oui, on y va, on va voir ouais. On va voir le. Ouais.
L'hangar. Ouais, non, mais après, on est passé, on est arrivé de l'autre côté. Oui, on a été, Jean. Ouais. Ah oui, oui, oui. Si, on va aller voir l'hangar. Ouais, on va juste voir le hangar. Ouais, on va voir l'hangar. Tu vois, des peupliers ici dans 10 ans, tu vas te payer ta maison avec, dans 10 ans. Ouais. Si, c'est non, mais je te crois. Ah, ouais. Je te dis. Et encore, moi, tu sais, comme je te dis, je suis un urbain, mais ouais. mon copain Gilbert, c'est un vrai paysan. Hein. Ah ouais, bah, et il va tout de suite voir ce qu'il peut faire ici. T'as vu les gros peupliers dans 10 ans, ça va être... Ouais. Des... Ah ouais. Celui-là, il n'a pas la même... Ah bah peut-être. Putain, ils ont été plantés nickel. Hein. Ah non, c'est un net. Ça, hein, ils ont été plantés. Ah bah c'est mon boulot ça. Oh putain, tu fais quoi? C'est un net, quoi? Jean, hein, c'est un net. Moi j'étais coopératif. T'as vu dans une coopérative. Ouais. J'étais gérant, j'avais un magasin à Clégueret justement. Quoi. Ouais. Non, tu connais pas Clégueret. C'est sympa de te connaître alors. Ouais, vous toujours bossé comme un net quoi. Bah, voilà, maintenant faut et ça te fait quel âge? 87. Oh non, putain, c'est pas vrai. Regarde, la 87. On dirait pas. Pas encore, au mois d'octobre. Ouais, mais il est toujours actif. Alors, quand t'es actif, oui. Tu vieillis pas. Tu vieillis moins vite. Quoi. Exact. Ah oui, mais le jour que... c'est sûr, Jean. Mais... Il y en a à ton âge, ils ont du mal à... Moi, ce qui me fait peur, c'est ce fameux machin qui se balade dans la nature. Celui-là, il me fout la trouille. Parce que j'attrape... Ouais, ils sont bien plantés, hein. Nickel. Ah oui, hein. Et il y a combien de temps que tu les as plantés, ça? Il y a 10 ans. Une dizaine d'années. Ouais, on dirait. Ans, il y en a qui sont moins gros que d'autres. Oh ben, ça dépend. Hein. Ouais. Il y en a qui ont profité plus que d'autres. Ouais. Ils parlent entre eux, les arbres, hein, c'est vrai. Ouais. On a 1,7 hectare ici. Hein, c'est vrai. Presque 1,8 hectare. Ah, Jean. Hein, on a 1,7 hectare, presque 8. Bien, j'ai même pas vu le papier. Moi, si, moi, je sais. Bah, tu as du papier, c'est ça? Non, ouais, je commence à le connaître ton terrain. Comment à le connaître? Je dors des fois dans la cabane. Regarde les belles pommes là. Cette année, oui, t'as des belles pommes là. Et c'est des pommes à couteau. Hein, oh putain, ouais. C'est des pommes à couteau. Ouais. Et quoi faire? Ah, regarde ça. Ah bah, si les propriétaires maintenant, il aura le droit aux pommes. Ah ouais. Ah ben. Non, mais on se partagera la compote. On s'arrange. On se partagera la compote. On se partagera la compote. Ouais. Oui, Jean, il fera la compote, il nous mangera. Exactement. Ah non, c'est plutôt les pommes à couteau. Plutôt. Je les garde et puis on les mange. Ouais, ouais. Il n'y a que ça. Mais. C'est pas grave. Moi, ça me ferait plaisir de vous présenter Gilbert. Vous allez bien vous entendre avec lui. Ah oui? Ouais. Ah oui. Bah, au téléphone. T'as vu, hein, tu l'as eu en premier au téléphone. Ouais. Il m'a dit que vous étiez bien. Il est venu voir, peut-être. Non, il est à Bourg-en-Bresse, le gars. Il est à Bourg-en-Bresse. Ah, ouais. Il me fait, confiance pour ça, je le filme et je vais lui faire une vidéo. Oui, voilà. Et puis il va me dire ok. Il reste juste à voir l'intérieur. Ah, mais on va les voir. Il m'a dit après pour stocker les meubles. Ben ouais, il t'a expliqué. Oui. Si on peut avoir. Vous n'êtes pas l'acheteur, mais c'est votre collègue. C'est moi et mon fils. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà, en fait, on va être trois, mon fils. Ouais. Et dans les 3 mois, j'ai tout sur mon compte et ça sera payé cash. J'aurai même pas d'emprunt à faire. Ouais, bah oui. Parce que j'ai un bon métier quand même. Enfin... Ah oui. Vous exercez tout le temps? Ouais, ah, à l'hôpital de Guémené. Ouais. Ah bon? Ouais. Ah, vous... ouais. Oh, bah dis donc. Il y a peut-être des collègues à vous ou des copines à vous qui sont là-bas. Je sais pas. Il y a quand même deux. Il y a eu. Ma mère a travaillé là-bas. Ma mère a travaillé à Guémené. J'ai eu des amis, des parents même là-bas. Ouais. Aujourd'hui, non. Donc, je croise les doigts parce qu'ils sont super contents que je sois là, ils attendaient un type comme moi, puis moi comme je disais, je ne connais pas son prénom. Rouen. Comme je disais à Rouen,
Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien le boulot là-bas. Ah oui, oui. À Gablier. Ouais, le boulot. Bah, évidemment. Ah oui, oui. Et tu vois, moi je suis assez un peu, je crois au signe. Ah oui. Tout ça, faut qu'on vienne là, quoi, avec Gilbert. Bien sûr, oui. Ah bah non, mais ici on est accueillant, les gens sont cool, on se tutoie. Justement, c'est le principal aussi, c'est le boulot On trinque ensemble, on est famille. Ouais, ouais. C'est le breton, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Le breton, souvent. Et je vous ai entendu parler, les bretons, hein. Putain, je vous comprends pas quand vous parlez breton. Waouh, waouh. Les gens, ils parlent pas trop breton. Ah non. Mes parents parlaient breton. Ah voilà, tu n'as même pas suivi. Mes parents, entre eux, se parlaient toujours en breton. Mais à nous, ils nous parlaient français. C'est jamais ils nous parlaient en breton. C'est tout? C'est tout en Pierrie. Ah, tout est en Pierrie ici. Hein. Jusque tout le chemin. Tout le chemin là-bas. C'est pour ça, c'est ce qu'ils disaient, Jean, jusque devant la maison, c'est tout en Pierrie. Ils ont fait même, tout. Les donc camions, on peut venir avec un camion, on est tranquille. Je dis et je répète, le camion vient ici, il peut sortir par l'autre côté, par là-bas. Donc gardez bien votre passage là-bas, votre chemin là-bas. Mm. Bah, de toute façon, oui. Ici, attends. T'as ouvert là-bas? Non, j'ai ouvert. Attends, ici. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, hein, là, il y a un droit de passage. Le gars qui est là, il a le droit de passer sur ce machin-là pour aller chez lui. Mais il pense quoi? Deux fois par an, comme il a un droit de passage. T'as l'été? Ah bon, je peux rentrer? Oui, bien sûr. Il n'y a rien de... Vous l'avez jamais vu, là? Ici, non? Non, c'est vous n'avez pas vu, vous? Non, c'est la première fois. Il y a un petit truc qui coince en dessous, là, je ne sais pas ce qu'il y a. C'est rien. Voilà, ben, vous voyez comment c'est beau? Oh putain! Ah, c'est propre! Hein. Ouais! Ah ouais! C'est toi qui as fait poser ça là? Ah oui, c'est moi, oui! Ouais. Putain, un chapeau, hein! Ouais! J'ai posé ça, on a mis des capitonnés! Ah oui, c'est beau! Hein. Puis l'autre côté, c'est pareil! Hein. Ouais. Ouais! Bah, ici. Tu vois, Gilbert, hein! Ouais! Un truc comme ça! Alors, ici, moi, tout ça, ce sera à débarrasser! Laissez ce que vous avez envie de laisser, hein! Ce sera pas haut, oh ben oui, enfin. Et vous avez le temps de débarrasser, même quand on aura payé. Ah oui, mais quand ce sera débarrassé, ce sera payé, ce sera débarrassé avant. Oui, on verra de donner un coup de main à Jean. Vous la laissez pas, celle-là? Ah, ça, c'est à mon frère. C'est pas à moi. Oh putain, merde. Et c'est pas à moi. Ouais. Ah, mais il va la vendre, hein. Ouais. Ah, il va la vendre. Ah, elle est chouette. Elle est chouette. Ah, t'as vu, hein, ouais, voilà. T'as vu. Elle vient de la Somme. Tu m'avais dit, ouais. C'est pas ça? Hein? Moi, je vois pas cultivateur à Cambon, la Somme, ouais, c'est ça, dans le Nord. Dans le Nord. Il est jeune, lui, t'as quel âge, toi? Non, j'ai 47. Ah. Je n'irai pas, mais j'ai fait beaucoup de sport. Hein. 47 et 40 ans plus. Oh, non, The Juice. Hein? 40 ans plus jeune que moi. On regarde de l'autre côté? On se voit vieillir. Ouais, on va de l'autre côté. C'est le bois là que tu veux vendre, Jean? Non, l'autre côté. L'autre côté. Tu vois, t'as du bois là? Oh non, ça, c'est un Bernard va prendre ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Ici, il y a le tracteur. Ouais. Un tracteur est à vendre. Ah, ça, ouais. Je vais le prendre parce qu'on ne sait jamais. On nettoyer tout ici. Gilbert, ça peut l'intéresser. Ouais. Hein. Je ne sais pas combien t'en veux, Jean, mais. Ouais. J'en veux 12 000 euros. Ouais. C'est noté. C'est noté, mais comme je t'ai dit, Johan. Erwan, pardon. Ouais. Là, j'ai juste de quoi payer, tu sais. Oui. Non, mais après. Mais après, encore une fois, quand je serai embauché. Jean, il fait rien avec. Ah, si, mais je vais le vendre. Hein. Qu'est-ce que je fais avec? Moi, j'ai plus rien. J'ai mon petit jardin avec. Il y a le machin derrière, le truc derrière, ouais, il y a une caisse, il y a tout. Hein. Ouais. Il y a un broyeur derrière. Oui, c'est ça, un broyeur, oui. Ah, ouais. Avec le tout. Ils vont tout avec le matériel. Il y a un broyeur, c'est ça. Mm-hmm. Ouais. Mais ça, c'est Gilbert, il s'y connaît. Hein. Moi, je ne connais rien. Moi, c'est la carriole, ça, qui m'intéresse, tu vois. Je la trouve belle avec le bois et tout. Je vais demander à mon frère, hein, comme il veut le vendre. Hein. Mais un âne et un cheval dessus. Oui. Ouais. Pour acheter des balades à Montivy, ça y est. Mais faut acheter l'âne, hein. Pour le trouver, l'âne. Ah, bah, un gars, Jean. Tu feras l'âne, peut-être. Bon, bah. Non, mais en plus, ça a été tout bétonné. Ah, bah, tu vois comment c'est, il y a plus tard. Voilà. Bah, je pense que tu vas te plaire ici, hein, Gilbert. Il y a même de l'eau là, il y a de quoi. Il y a des cuves à eau là. Ouais. Ça récupère l'eau de. L'eau... Ah, mais c'est débranché pour le moment. Il y a un branchement. Des tuyaux sont là, tout est là. Mais ça, ouais, ça récupère l'eau d'ici. Ça récupère l'eau de là, puis ça va dans. Ouais. Ça retombe dans le machin. Il y en a deux, ça fait 2 mètres cubes. Ouais.
Il y a 1000 mètres, 1000 litres, pardon. 2000 en tout. 2000, quoi. Ouais, 2000. Ouais. Bon, bah écoutez, moi ça me plaît bien. Je pense que Gilbert, ça va, il va être sur le cul quand il va voir ça. Ouais. Bon, Gilbert, je laisse la vidéo et je te fais le montage tout à l'heure. Bisous. Moi je pensais. C'est pareil, c'est un arrangement avec lui. Parce que toi, tu as payé, tu payes tant, il t'a demandé tant, quoi. Frais de notaire, tout compris. C'est ça, non? Hors frais de notaire. Frais de notaire. 29,500. Non, 29,500, c'est avec frais inclus. Il faut rajouter les frais de notaire. Ouais, c'est comme je dis, 32 500 en tout avec les frais de notaire. T'as dit 3000 de frais de notaire. J'ai dit 29. J'aurais pu allonger un peu. Mais t'as pas l'autre clé, Jean? C'est pas la clé? Ah non! Si, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Ah, mais si, c'est celle-là. Alors? Deux tours, mon gars, deux tours. Vous voyez une autre, c'est ça? Voilà! Ah, faut tout dire, mon Dieu. Ouais, bah on retourne donc ici. Ah ouais, peut-être avec un peu plus de lumière. Oui, les étagères là, tu dis? Ça, les étagères là, puis les autres là-bas, et tous ceux qui sont dans l'autre garage. Là. Ouais, t'as pas... Moi, je le laisserai bien, mais tu faut que tu me donnes quelque chose. Quoi. Mais je ferai un prix là-dessus. Voilà. Et puis, tu fais des lignes, Ouais. Même le tas de bois, tu fais... Ah, ça, c'est mon petit frère. Ah oui, tu l'as déjà dit, pardon. Le bois du bois, là. Il a déjà du, dit, ça, j'ai tout ce bois, là. Ouais. Il y a un paquet. Ouais. Bon. Et des cailloux, ça vous intéresse pas dans les cailloux? Mais ça, en fait, c'est Gilbert. Je sais pas trop ce qu'il va faire ici, tu vois, comment non, il va s'organiser. Des... Oui, mais il faudrait qu'il me le dise, des parce qu'il y a de taille. Mais c'est pour ça, ouais. De l'autre côté, viens voir. Ouais. C'est lui qui aurait dû venir. Il est loin, lui. Oui, mais... Il y a des trains, il y a des voitures, non? Ça roule pas sur la route, si? Ouais, mais attends... J'ai compris. Il y a la caméra, quoi. Je vais lui faire une bonne vidéo, il va tout comprendre. Et en plus, il nous entend parler, là, tu vois. Ah bon? Ah bah oui, vous avez branché le... Ouais. Ça va lui faire du bien. Ah ouais, il y a des... Ah ouais, c'est des beaux cailloux, c'est des beaux cailloux. Ça, c'est quoi, ça? C'est un super caillou, ça. Ouais. Ça, c'est de belles pierres. Ah ouais. Ah, tu la tailles un peu, là. Ouais. Oh, elle est belle. Et ici, tiens, viens voir. Oui. Je te laisse aller, vas-y. Vas-y, avance là-bas. Attention, on ronce au pied. Ah oui, je vois. Ah putain, regarde les belles dalles. C'est des petits menhirs. Hein. Ah, bah, je te dis. T'as vu? T'as une fortune ici. Bah ouais, je vois bien. Regarde ça aussi, c'est joli. Ça, c'est beau. Il y a encore un autre là-bas. Ah, mais, de l'autre côté. Regarde celle-là aussi. Ouais, enfin, mais ça, c'est ça. Il doit en avoir deux. Attends, c'est plus un, deux ou trois comme ça. Oh, mais il y en a eu. Il faut fouiller là-dedans. Ouais. Il y en a un peu partout ici. Ouais. La fougère et tout ce qu'il y a là. Bon, génial. Moi, ouais, je vois bien. Ouais. Celui-là, il y en a d'autres. Ça, c'est du sapin, ça vaut pas cher. Le bois, là, ça vaut pas cher. Faire du feu. C'est possible, après, moi, il faut joindre une notaire de lundi matin. Bon, je ferme. Alors, je vais juste lui montrer. Je vais leur dire, vous signerez le jeudi, c'est pas grave. Donc tu vois, il y a la route, la petite départementale, ça fait pas tellement de bruit, et puis le chemin qui se jette non pas sur la route, mais sur un bras de la route. Voilà. Donc le voisin, là, il a un droit de passage, il passera par là, et puis il arrive chez lui, par ici. Hein, c'est ça que tu disais, le droit de passage? Oui, c'est là. Il passe sa voiture ici, puis il va chez lui là-bas. Oui, bah, deux fois par an, peut-être, il va jamais, mais enfin, il a un droit de passage. Il l'a, donc on ne peut pas le... Oui, bien sûr. Il y a 4-5 ans. Là, il y a trois stères de bois là, à vendre aussi. Ouais. Combien? Trois stères, t'as dit? Trois stères. Non, quatre cordes, quatre fois... Ah, 4 fois 3, 12 mètres cubes. Au moins 12, il y a peut-être plus. Je me disais... Entre 12 et 15 mètres cubes. Ouais. Mètres cubes. Hein, ouais. En prix. Bon. Donc ça, c'est le chemin. C'est juste pour montrer la route. Voilà, ça c'est le chemin privatif.
avec droit de passage pour le voisin à côté à droite. Pas celui qu'on voit là à l'écran. Celui qui est à droite là, ici là. De ce côté. Et puis donc c'est une toute petite rue avec un cédé le passage. Et la départementale dont on parlait, qui n'est pas à grande circulation.